Bonjour, je me présente, je suis Isabelle, je tiens le site L'Iscrap Boutique. Je suis contente de vous retrouver pour la première vidéo concernant la boutique, pour vous présenter le premier kit qui va être en vente. Donc c'est un kit pour créer un mini-album. Donc il y aura un tutoriel, vidéo et papier. Donc voici la sélection de papier que j'ai pris. D'un kit de Swill Cards, kit 12 hiboux. Donc, on a dans le kit des papiers. On a dans le kit 8 papiers de 20 cm sur 20 cm, recto verso. Donc, les coloris sont ceux-ci, sont sur les thèmes bleu et un peu de rose. Donc ça, hop, donc celui-là c'est le même, recto verso, il y a toujours deux fois le même papier. Donc celui-ci et celui-là, donc c'est le même. Voilà. Celui-ci, avec les fanions, donc le même que celui-là, pareil. Et un plus rose, donc ici pareil que rose. Voilà. Donc voici les 8 papiers que nous allons utiliser pour réaliser le mini-album. Dans le même kit, nous avons des planches d'embellissement à découper avec des hiboux. Donc, deux plutôt filles qui sont les mêmes et deux plutôt garçons. Voilà. Cela permet de faire le mini-album plus garçon ou plus fille. Il y a aussi un alphabet à découper, un deuxième alphabet à découper, et deux petites bandes de papier orangé. Il y aura aussi dans le kit des cartes qui sont féminines et masculines. Donc par exemple, ici c'est plutôt féminine. Et ici plutôt masculine. Donc on peut vraiment personnaliser son mini album selon le choix. Voilà, tout ce qui contient un embellissement de la marque Swill Cards. Donc ce sera plutôt, vous voyez, avec ceci, nous allons plutôt réaliser un mini-album de naissance. Mais si vous n'utilisez pas bien sûr toutes les cartes, vous pouvez faire autrement. Donc voici les cartes, tout ce qui est de Swill Cards. J'incorpore aussi une feuille A4 blanche effet bois. Je ne sais pas si vous allez, voilà, peut-être le remarquer ici avec la luminosité, je suis désolée. Voilà, pour faire la couverture. Passons aux embellissements. Donc dans le kit, il y aura, selon les différents kits, il y aura un minimum, je pense, de 3 napperons, des rubans, un blanc, un rose avec de la fausse couture, un bleu avec de la fausse couture, des fleurs blanches en papier, 4 tags, 2 roses, 2 bleus, quelques boutons. Et des découpes réalisées à la boutique. Et des découpes en plus réalisées à la boutique. Et je vais aussi incorporer quelques strass et quelques demi-perles.
je vais vous présenter rapidement le mini-album réalisé avec ce matériel. Et il y aura dans le kit un fascicule avec l'explication de la réalisation du kit et vous aurez accès à une vidéo pour vous aider. Voici le mini-album qui peut être réalisé avec le kit. Je vous le présente rapidement. Vous aurez donc avec le kit une fiche explicative avec le QR code pour accéder à la vidéo. Donc voici, je vous le présente pour que vous ayez une petite idée du mini-album. Vraiment assez simple à réaliser, donc accessible à tout le monde. Donc je vous remets en barre d'infos le lien en direction du kit et donc vous aurez le tarif du kit. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bye bye.